La plastification des océans, eh ben c'est 270 000 tonnes de plastique qui est rejeté dans la mer. C'est l'équivalent d'un camion poubelle chaque minute. Et on est en train de tuer cet océan qui nous a donné la vie. Et donc il est important d'être un lanceur d'alerte, mais pas que, aussi d'être aussi un pionnier dans les solutions qu'on peut trouver avec l'aide de nos partenaires. Je cite pour ça Suez qui est dans la révolution de la ressource, donner une valeur à ce plastique qui se trouve dans l'océan, et CTO justement pour que le citoyen puisse trier correctement pour que ce plastique adhère à l'économie circulaire. Nous menons depuis plusieurs années des expéditions hein, qui ont pour but de se rendre justement dans ces gyres océaniques où se rassemble ce plastique, ces microparticules de plastique, pour étudier l'impact qu'ils ont sur la faune, la flore et la santé humaine. Et plus la recherche avance et plus on comprend ce que devient ce plastique dans les océans, parce qu'il faut considérer cette plastification des océans comme une maladie, et avant de la soigner, bien sûr, il faut connaître la maladie. Effectivement, il y a des solutions, mais les solutions, elles ne se trouvent pas en mer. Tous les projets qu'on peut trouver de nettoyage de déchets en mer, c'est un peu utopique, hein, puisque la 90% de cette pollution est sous forme de micro-particules de plastique, voire de nano-particules de plastique. Donc les solutions, elles se trouvent bien à terre, en amont. Réduire son impact plastique, trouver des alternatives au plastique et mieux recycler le plastique pour qu'il se trouve dans la boucle de l'économie circulaire.